Bien sûr, très heureuse pour lui et pour moi aussi, bien sûr. Pour tous les gens qui l'ont accompagné et qui suivent ce sport depuis quelques années. Ça fait quoi d'avoir son fils qui est un des champions olympiques les plus titrés ? Là, je suis contente pour lui, il l'a voulu, donc voilà, c'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup... Alors moi, je n'ai pas les mêmes enjeux, je n'ai pas... Voilà, l'enjeu sportif n'est pas... C'est son bonheur qui me fait du bien, voilà, c'est tout. C'est pas, ce ne sont pas forcément ses médailles, c'est son plaisir à lui de les recevoir et de les gagner. Là, vous savez qu'il est heureux en ce moment. Oui, ça se voyait sur son visage à l'interview. Comment vous avez vécu cette course? C'était très difficile, serré jusqu'au bout. Oui, il s'est battu. C'était un peu tendu sur la fin. Quand il est arrivé, il avait son point rageur d'avoir cru perdre. Bon, mais voilà, c'était une belle revanche sur les 4 ans passés pour cette Masters. Vous aviez ça dans votre tête, le souvenir de Sochi? Vous l'avez perdu sur un fil? Non, je l'ai pensé à un moment, mais voilà, je ne suis pas restée là. Non, pas. Comment vous l'avez vécu cette course? Pour vous, vous l'avez senti en forme tout de suite? Oui, après, physiquement, il semblait dire qu'il ça semblait. On semblait voir qu'il était en forme, voilà, mais après, c'est une histoire de tir, hein, le biathlon. C'est aussi le tir. Et, voilà, cette dernière balle à la fin, ça fait plusieurs fois que ça se passe comme ça. C'est un peu rageant, mais bon. Il gagne alors, c'est bien quand même. Voilà, ça met du suspense, on ne sait pas jusqu'à la fin qui va gagner. C'est ce qui est bien d'ailleurs dans ce sport, c'est qu'on ne sait jamais. Ça peut changer au tir et ça peut changer au ski. Comment on vit ça quand on voit 100 personnes ici soutenir comme ça d'une seule voix son fils? C'est pas que j'ai l'habitude, mais les gens sont devenus des amis, des gens qui soutiennent, qui nous soutiennent aussi. Et voilà, donc c'est beaucoup de fierté d'être auprès d'eux et de vivre ces instants auprès d'eux.